Je suis réveillée depuis 4h54. J'ai essayé de me rendormir, mais j'ai pas réussi. Là, il est 6h30. Donc dans ces cas-là, je me prends pas la tête et je vais descendre déjeuner. Regardez, il y a Jackie qui m'accompagne. On va aller manger. On va manger la croquette. Ah, je suis vraiment pas contente, mais vraiment pas contente. Là, tu te réveilles dimanche matin, regardez. T'es chiant, Jack, vraiment t'es chiant. Je vais me faire ma petite liste de courses pendant que je déjeune. Il me manque quelques petits trucs, genre des pruneaux, de l'eau de coco. Et ça, c'est l'avantage quand tu te lèves tôt le dimanche. Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est la première fois que je lavais mes cheveux depuis cette nouvelle couleur. Ça n'a pas beaucoup dégorgé. Elle reste quand même très jolie. Hein. Et vraiment, j'imagine déjà avec des petites mèches et tout blond, ça va être très sympa. Je vais descendre, je vais prendre mon café et après, je file faire mes courses chez Inter comme c'était prévu. Je suis pas mal là au niveau du timing. En même temps, je me suis levée tellement tôt. Ça commence à piquer un peu. Je pense que je vais être claquée sur les coups de 2 heures. Moi, si j'ai pas mes 7-8 heures de sommeil, je suis limite à faire des crises d'angoisse. Mais c'est sérieux. Hein. Il me faut mon quota, sinon je suis pas bien, j'ai le palpitant. Donc si vraiment je suis trop naze, je ferai la fameuse petite sieste que je déteste faire, moi ça m'en sucre, qui dure 20 minutes, une demi-heure. Peut-être. Et dans cette salle de bain, comme d'hab, on a un Jackie qui a trouvé son spot. Il adore être là. Maman va faire des coursettes, mon Jackie. Il s'en fout, mais complet. J'ai mis mes nouvelles boots de la halle pour les faire un peu. Et elles me font super mal à ce niveau-là. Juste devant, là où je les ai resserrées, en fait. Bon, ça va, c'est pour faire des courses. Mais genre demain, comme je vais faire de la rééducation et j'y vais à pied, clairement, je vais pas mettre ça. Sinon, Eric m'a dit qu'il faisait hyper froid ce matin. Donc, genre 0 degré. J'ai mis le gros pull par-dessus. Et je suis prête. Petite tenue du dimanche. Je vous fais quand même un petit plan serré au cas où pour ceux qui n'auraient pas vu. Il me reste que 84 sous. Je ne vous ai pas montré au fait. Ça, c'est le sweat que je lui ai pris pour son anniv. Tourne. Il est hyper sympa. Voilà. Et ta montre. Ça y est, il l'a récupérée, la montre connectée qui fonctionne. Effectivement, elle ne fonctionnait pas. Et elle est hyper impressionnante. Je pensais que ça allait être un peu gadget, mais on voit vraiment tout. Tous les mails et tout. Ah, c'est canon. Hein. Voilà. C'est écrit petit, mais c'est hyper lisible en fait. Et nous voilà chez Inter, au final il vient avec moi. C'est pas plus mal. Voilà. Je vous ai pas filmé à l'intérieur, je vous ferai un petit retour de course. Je commence avec les surgelés. Alors en même temps, c'est vrai que parfois on dit les retours de course, c'est un côté un peu putassier, ça fait partie du quotidien en même temps. Voilà. Ça, pour Eric, son petit péché mignon, vous auriez vu, en plus il l'a mis en loose day dans le sac, genre personne n'a rien vu. Celles-ci, elles sont vraiment très bonnes, c'est les côtés brasserie, incurvées au four. Ces steaks-là, ils sont vraiment très très bons, 5% de matière grasse. Avec les frites, ça va être idéal. Des petits haricots au beurre, très fins. Pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Pareil, je suis vraiment embêtée. Moi, je cherche, c'est de la marque Na. Il y en a chez Leclerc, mais il me disait qu'il y en avait, c'était sous forme d'échantillon, donc il n'y en a pas régulièrement. Et moi, c'est la seule chose que je peux boire avec des infusions. Donc, j'ai pris ça, lait d'amande, c'est non sucré. C'est bon, mais ça ne vaut pas le Na. Trop bon. Et ils ont été super sympas. Donc, à Leclerc, c'était il y a plusieurs jours. J'ai expliqué ça à une personne de chez Leclerc qui m'a dit, écoutez, je vais quand même en parler à la direction. Et si effectivement vous en prenez régulièrement, pourquoi pas, on va les commander uniquement pour vous. Je trouve ça super sympa. Il va falloir que j'y retourne d'ailleurs pour voir ce qu'il en est. Ensuite, ceux-là, le bon végétal, je les aime pas mal. Steak, soja et blé. Vous commencez à me connaître, mes petites tranches de fromage que je mange la plupart du temps le matin. Des pruneaux que je consomme également au petit-déj avec... mes yaourts fromage blanc, même au goûter. J'en ai pris 2 sachets. Du petit riz parfumé basmati. J'aime beaucoup le riz. C'était dans le rayon bio. J'en ai pas forcément besoin, mais je voulais tester. Je connais pas du tout cette marque. Ça coûtait 6 euros, je crois. C'est la couleur nude. Il y en avait pas mal à voir. On nous dit que ça a une formule acide hyaluronique. Donc ça doit avoir un côté intense, hydratant. On va le tester ensemble. Après, du blanc de poulet, toujours pratique également, le midi, moi je me fais ça. Un lot de 3 cracottes, c'est bon les cracottes, hein. Ce sont les céréales, il y avait 3 possibilités, des gourmandes, des fibres, je ne sais plus. C'est pour Eric ça, moi j'en prends pas, mais lui il aime bien. Ensuite, ça, toujours pour Eric, son petit plat. Ça c'est quand il est pressé, genre le midi ou quoi.
les petits pâturages, c'est des pots à la crème au chocolat, hein. Toujours pour lui. Mon précieux, mon jus de carotte. Je prends un grand, grand verre tous les matins. Et ça, c'est le précieux d'Eric. Voilà, c'est, il en boit énormément. Énormément, donc c'est le light. Mais je sais même pas, j'arrête pas de lui dire, c'est quand même pas bon quoi. Même si c'est du light, ça reste quelque chose de gazeux. Je les adore. Très très bon d'ailleurs, je les avais scannés il y a un moment. Hein. C'est de la marque Too Good, je vous en avais déjà parlé, là il y avait que saveur barbecue, pas le choix, donc je les ai pris. On a vraiment deux façons de manger, tous les deux, donc bon, c'est pas gênant, hein. C'est un coup à prendre. Ça, c'est j'aime bien, c'est vraiment fromage blanc, je trouve que c'est plus onctueux, plus épais. C'est le matin, donc je mets mes pruneaux, mes amandes, mes baies de goji, et je consomme ça également au goûter. Des quenelles parce que j'aime beaucoup, avec du riz basmati, je trouve ça très bon. Et du sopalin, parce qu'on en a toujours besoin, surtout quand on a un chat qui renverse comme ça tous les matins les poubelles. Je range toutes mes courses et je monte tester le petit rouge. Bon, voyons ce qu'il a dans le ventre. Oh, déjà il est joli. Ça sent bon. Et c'est la teinte couleur 04 Rossetto. Et bah très agréable, vraiment, ils disent que c'est hydratant et je confirme, c'est très agréable à porter, faut voir après sur la durée, la journée. Ouais, j'aime bien, très chouette ce rouge à lèvres, j'ai bien fait de le prendre. Il est 13h, je commence à avoir un petit creux, je vais me faire une tartine, vous savez moi j'utilise les tartines, c'est bio, il n'y a pas de conservateur, donc tu les gardes 5 jours max au frigo. Je vais me faire ça avec un peu de chèvre que je vais faire fondre. Du blanc de poulet et un peu de roquette. Ouais, ça peut être cool avec de la roquette. Vous voyez, c'est ce pain-là. Donc, ils disent 5-6 jours au frigo. Tu n'as pas été très gentil avec papa-maman ce matin. Je ne sais pas si tu mérites le petit surimi, le petit bout. Je ne sais pas. Je vais quand même t'en donner un petit bout. Tu attends. Tu attends. Voilà. La roquette. Prends sur toi un peu. Contrôle. Le filet. Voilà. Je suis en train de bosser sur mon vlog et je pique du nez. Je voulais monter faire ma petite sieste là de 20 minutes et il y a Eric qui veut qu'on aille se promener parce que je crois qu'il est en bad le dimanche, sachant qu'il reprend les cours demain. Donc il me dit, ça te dit qu'on aille à la foire fouille? Le truc qu'il me demande jamais. Arrête, je dors debout. Moi aussi, c'est pour ça qu'on est en train de se balader. Oh, le coup de barre sur coup de barre, j'aime moi pas aussi, ça. Là, franchement, je suis en train de me dire, est-ce qu'en rentrant, ça vaut le coup que je le tente cette sieste, mais... Bon, comme vous pouvez le voir à ma tête, je me suis assoupie. On est allé faire un tour rapidement et on est rentré, on était crevés. Je viens de m'allonger une demi-heure et... J'ai pas dormi profondément, mais je me suis reposée et je me sens mieux. Maman, elle se repose. Ça le perturbe que je sois là, il n'est pas habitué. C'est très très rare que je fasse ça, soit quand je suis malade, ou alors si j'ai pas dormi comme ce qui était le cas. Vous voyez là? Ça le perturbe et il comprend pas que sa mère dorme à cette heure-là. Bon, on a fini de manger. Je vais clôturer le vlog maintenant et on va regarder un petit film. Je vous fais un gros bisou et vous dis à demain dans un nouveau vlog. Salut !